Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe. Il s'agit du son Q. Pour commencer, observez bien ces images. Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Bravo, c'est un kangourou. Passons à la deuxième image. Bravo, c'est un cadeau. Et qu'est-ce que vous voyez sur la troisième image? Excellent, c'est 5. Passons à la dernière image. Exactement, c'est une barque. Écoutez bien. Un kangourou. Un cadeau. 5. Une barque. Quel est le son qui se répète dans ces quatre mots? Bravo, mes chers élèves. C'est le son que. Écoutez bien. Que. Maintenant, on va découvrir ensemble comment s'écrit le son que. On va commencer avec le mot un kangourou. Donc, kangourou, j'entends le son Q dans la syllabe can et je vois la lettre K. Dans le mot cadeau, j'entends le son Q dans la syllabe K et je vois la lettre C. Dans 5, j'entends le son Q dans la syllabe 5 et je vois le culon. Dans barque, j'entends le son que dans la syllabe que et je vois culon u. Donc le son que peut s'écrire avec la lettre K comme un ski, un kilo, un kiwi. Il peut s'écrire aussi avec la lettre C, mais devant une consonne ou bien devant les voyelles A, O, U. Exemple, une carte, un docteur, une courgette. Il peut s'écrire aussi avec le culon, comme dans 5, un coq, ou bien le culon U, comme dans 4, un casque, un bouquet.